Hendriksen, bonjour à vous. Bonjour. Alors, pourquoi avoir choisi le château de Versailles pour cette rencontre ? Eh bien, c'est une formidable opportunité qui s'est présentée, car ma dernière série, Vampiria, se passe en grande partie à Versailles, dans un Versailles de fantaisie baroque, un peu modifié, mais ça a été inspiré par ce lieu où j'ai passé une partie de mon adolescence. Et donc, le château nous a autorisé à nous rencontrer ici, dans le salon de Mars en particulier, hein, sous les augures du dieu de la guerre. On va essayer que cet échange soit des plus pacifiques. De la rencontre Babelio, jour du vlog donc, et regardez, je suis accompagnée de mon amoureux Alex et ma petite sœur Inès qui vont du coup prendre des images pendant la rencontre. Je vais donc vous filmer des petits moments de cette rencontre, ça va être trop chouette, vous allez pouvoir voir Victor Dixen, j'ai trop hâte. Nous sommes avec Nathan qui travaille chez Babelio du coup, donc c'est dans ses bureaux. Et oui, bienvenue chez Babelio. Merci. Espace. Il y a deux grandes sources d'inspiration à la série Phobos, hein, aussi bien les romans que la bande dessinée. Et l'une d'entre elles, c'est la fascination que j'ai depuis toujours pour l'espace, pour la conquête spatiale. Et lorsque j'ai commencé à réfléchir à Phobos, eh bien, on parlait de plus en plus de la planète Mars comme étant la prochaine frontière du genre humain. La NASA disait envoyer des gens dans les années 2030 sur Mars, et certains entrepreneurs privés veulent aller plus vite encore, comme Elon Musk avec sa société SpaceX. Source d'inspiration, tout ce qui est science-fiction, j'en parlais un peu tout à l'heure, c'est souvent des questions d'actualité hein, qui m'interpellent et que j'essaye de creuser en me projetant dans le futur, voir ce que ça pourrait donner. Donc la conquête spatiale, la civilisation des images dans Phobos, l'urgence écologique dans Extincta. On a vu Victor Dixon. Bonjour à tous, bonjour Victor Dixen, on est ravis d'être avec vous pour cette nouvelle saga Vampiria, la cour des ténèbres et la cour des miracles. Louis XIV n'est jamais mort, il s'est transformé en vampire. On va découvrir des vampires très flippants, des véritables monstres sous leurs allures de nobles. Attention, ceci est le premier tome d'une série très très addictive. C'est le côté monstrueux du vampire. C'est vrai que, notamment chez Coppola, et puis bien sûr chez Anne Rice, on a un vampire qui est séduisant. Et là, c'est la partie monstrueuse. Moi, j'aime bien la balance, justement, entre ces deux aspects du vampire. De Diane réussit à s'introduire dans les jardins royaux de Versailles en pleine nuit et elle tombe en pleine chasse galante, c'est-à-dire qu'après minuit, les mortels qui sont encore dans les jardins peuvent devenir les proies des vampires. Décidé par la série. À chaque pas, il me semble qu'au silence éternel des morts répond à un infime frémissement de vie. Derrière les lugubres arcades aussi noires que des gouffres, la ville s'ébroue encore.
Moi, je suis venu. Écoutez, ça me fait très plaisir. Et puis, j'ai hâte de voir du coup, les gens agir sur les réseaux avec les chorégraphies. Je pense que ça va être sympa.